Shalom à tous et à toutes. Alors c'est un grand jour aujourd'hui parce qu'on va finir, ce chapitre passionnant 89 de la prière et on va finir ce sujet de manger, de boire avant la prière. On a dit qu'on peut boire de l'eau, thé, café sucré avant la prière. On continue. On est l'alakha même guimel. C'est parti. Lo asru chachamim lechol kodem tfila. Alors attention, les sages n'ont interdit de manger avant la prière le matin que quand arrivait le temps de prier. Aval, kodem amudashara, mais avant l'aurore. Avant l'aurore, on ne peut rien faire. Donc tu te lèves, il est 3h du matin, 4h du matin, tu es avant l'aurore. Amudashara. Afilu lachashishan, bien que tu as dormi, mutar lechol. Donc tu te réveilles à 2h, 3h du matin, tu as le droit de manger. Omnam, kolze le fiapiat. Ça, c'est d'après le sens simple, shranaur et lagmara. Ah, mais dans le Zohar, c'est terrible ce qu'il écrit dans le Zohar. Je ne sais pas si je vous le dis, ben, il va le citer, je pense, ici. Le Zohar, Ichmir Meod, après le Zohar, c'est une faute très grave. C'est écrit que c'est comme s'il fait de la sorcellerie, comme s'il blasphème. Bon. Mais quand Shashan Shinat Keva, d'après le Zohar, dès que tu as dormi, donc quand tu es éveillé, pas de problème. Le problème, c'est quand tu as dormi, ta Neshama, elle est montée, elle est redescendue. À Sur les Rol, Afidou, Kodem Amoud, Ashachar. D'après le Zohar, tu n'as pas le droit du tout de manger, tant que tu n'as pas prié Shacharit. Oui, le Betamoud a posé, mais comme la Lacha dans le Talmud, et dans les poskim c'est permis. Yesh le rot alacha, af, même contre le Zohar, vous le savez bien, dès qu'il y a une opposition entre l'agmara, shranao, le sens simple, et le Zohar, l'alacha, on suit le sens simple. Donc c'est permis. Comme il dit le Ritbaz, kol davar shinber, tout ce qui est écrit explicitement dans le chas, dans l'agmara, et dans les décisionnaires, afalpi, bien que dans la kabbale, c'est écrit le contraire, comme ce qu'on est en train de voir, yesh le rot l'alacha, on tranche comme les poskim. Vechendat, et comme ça, il dit Rabbi Yosef Karo. Vechen iskimo, et comme ça on dit les grands maîtres. Velachen, anoagim lakut belel shabbat. Voilà, il y a des tzadikim vendredi soir qui se lèvent à 2h, 3h du matin. Ils font des bakashot, ils prient, mizmorim, des teilim, ils chantent jusqu'au petit matin. Mechalkim, et ils donnent des gâteaux, etc. Ils mangent un peu. Beterem y allait, mais avant l'aurore. Eh bien, Rachem, laquelle, on peut être mekel, d'après la stricte halacha, et on peut les laisser, parce que c'est pour une mitzvah. Shara Adain, parce que le temps de la prière n'est pas encore arrivé. Mikol Makom, Matsnuim, ceux qui sont pudiques, Moshrim, Edem, ceux qui font attention, qui ne vont s'abstenir de manger des gâteaux une fois qu'ils ont dormi, pour craindre ce que dit le Zohar, c'est mieux, c'est sûr que c'est mieux si tu peux respecter le Zohar, mais c'est pas obligé. Rak les gabété, par contre, pour le thé, le café, bonne nouvelle, avec du sucre, il dit Afazwar, Louechmir, bonne nouvelle. Le thé, le café sucré qu'on boit le matin avant la prière, même d'après le Zohar, on a le droit. L'interdit du Zohar, c'est de manger. Mais un thé, un café, c'est comme de l'eau, on a le droit. Bechen, pareil, la veille d'un tanit, bofen caché, litanot, on pourra être mekel également de manger et de boire. Allez, on finit, même dalet. Micheta, quelqu'un qui s'est trompé. Ou bea birka tanim, azedava, il a fait une bracha pour manger quelque chose. Mahal, ah, t'as oublié. T'as pris un fruit, t'as fait ta bracha. Non, j'ai pas prié shacharit. Qu'est-ce que tu fais? Si tu manges, t'as faim et sourd, t'as mangé avant de prier. Si tu ne manges pas, t'as fait bracha levatala. Qu'est-ce qui vaut mieux? Yesh mishikatav. Il y en a qui disent shitam. Tu goûtes un peu, mais hâte. Kedesh eloti birkato bracha levatala. Pour ne pas faire bracha levatala, surtout que c'est un sourd d'oraita. Yesh mishomer. Il y en a qui disent shachol aflerol qui peut manger jusqu'à kazaït. Parce que ça ne s'appelle pas vraiment manger. Yesh mishikatav. Il y en a qui disent de ne pas goûter du tout. Af, bien que ça ferait une bracha levatala. Parce que ce sera un sourd d'oraita. Mais l'alacha, dit le Rav, ou la medina l'alacha, tserchitom mehat, kedet achul birkato. L'alacha, bracha levatala, c'est le plus grave, c'est sort de la Torah, d'après Shulchan Aruch. Donc vaut mieux que tu goûtes un petit peu, c'est pas grave, t'as que goûté, t'as pas mangé, et au moins ta bracha n'est pas levatala. Et en plus, il n'y a pas de gava, des losher gava, qui a gavna nikar tohem, parce qu'on voit que tu manges que pour pas faire une bracha levatala. Ou beprat, en particulier, shidat marana bet yosef, d'après l'auteur du Shulchan Aruch, Issour, l'interdit de manger avant la prière, il n'est que des rabanan, pas d'oraita. Alors que le issour de bracha levatala, d'après le Rambam et Maran à Shulchan Aruch, nireshu issour min haTorah, c'est un interdit qui est de la Torah. Donc vaut mieux qu'on transgresse l'interdit des rabanan et pas de la Torah. Allez, même he, bal misada, celui qui a un restaurant. Chez Baïla Friloni, il y a un juif pas religieux qui vient chez toi. Ou même Akesh qui veut t'acheter, il veut manger dans ton restaurant ou acheter quelque chose. Vous yodéa chakone no mitpalel shacharit. Ah, et toi tu sais que celui qui vient le matin là, il n'a pas prié shacharit.
Donc, dans ce cas-là, si tu lui vends, il va manger avant la prière. Afa piken moutar, vous allez me dire heureusement, ce serait compliqué sinon. Malgré ça, moutar, imkol, on peut lui vendre quand même des croissants, une boulangerie, voilà, une boulangerie cachère par exemple. Il n'y a pas de problème. Af shoukhal, bien qu'il va manger devant nous et on sait qu'il n'a pas prié. En bézé, il n'y a pas d'histoire de messaïa, d'aider des fauteurs parce qu'ils même sont morts. Il y a d'autres boulangeries cachères, il ne va pas chez moi, il peut aller chez un autre. Donc, j'ai pas besoin de vérifier. C'est comme les brachot, je ne vais pas non plus vérifier ce qui fait les brachot. Même vav. Imitri l'échol, si tu as commencé à manger, kodem, avant Amudashara, avant l'aurore. Vigyazman est qu'arrivé le temps de l'aurore. Tserklafsik, c'est qu'au temps de l'aurore, tu t'arrêtes. Qui va des soirs, il a, étant donné que l'interdit de manger avant la prière, Asmaroukra, il s'appuie sur un pasouk. L'autorlo à la dame, vous souvenez, c'était le premier cours. La reine Ichmirou, les Chachamim ont été marmir, même si tu as commencé ta souda avant, quand arrive Amudashara, tu es obligé de t'arrêter. Même Zayin, regardez, à Filou Limon, même d'étudier la Torah, à Sour, t'as pas le droit. Quand commence l'aurore, le temps où tu veux prier, tu dois pas commencer une étude. Et nous, mes chers guides, Palel, on parle celui qui a l'habitude de prier au Beit HaMidrash et qui n'a pas l'habitude d'aller à la synagogue. Bon, nous, on fait les deux au même endroit en général. Ah, des chlachouches, on a peur que la personne, elle va rester au Beit HaMidrash, elle va s'oublier dans l'étude, Véavor, et elle va transgresser, elle va laisser passer l'osman du Kratchema. Mais ça, c'est pour celui qui ne va pas tout le temps à la synagogue. Mais celui qui va tout le temps à la synagogue comme vous, bah, il a le droit parce qu'il ne va pas oublier, c'est très bien. Imou Melamed, c'est quelqu'un qui enseigne aux autres. Aflou, bien qu'il n'a pas l'habitude à la synagogue, il a le droit parce que c'est mitzvah que overet. Et s'il a besoin de préparer son cours, Srout Arabi, mais le mérite d'enseigner la Torah aux autres, c'est une très grande chose, donc il a le droit. Et la dernière, on a fini Baruch Hashem, Memchet, Moutalatri, on a le droit de commencer d'étudier la Torah avant Amudashacha. Mais Kol Sheken Mealomed, à plus forte raison que c'est étudié, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Kol Aïsour, tout l'interdit, c'est uniquement la trille de commencer à étudier après le Zman de l'aurore. Mais comme aujourd'hui, bah, on prie, on étudie dans le même endroit, donc il n'y a pas de problème, tu ne risques pas si tu étudies l'endroit dans le Beit HaMidrash, ou que tu as un réveil, ou que tu as quelque chose qui va te faire appeler la prière pour que tu ne risques pas d'oublier. Dans ce cas-là, tu as le droit. Voilà, Mazel Tov. On fait le Sioum aujourd'hui, j'espère que vous avez préparé une belle Seuda. On a fini toutes les lois de la prière. A très bientôt à tous et à toutes.